Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, on est là pour découvrir ma collection de pièces de 1 franc sumeuse en argent. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, les amis, nous découvrons ma collection de pièces de 1 franc sumeuse avec des rares, bien entendu. Petit rappel, les pièces de 1 franc sumeuse ont été frappées de 1898 à 1920 en argent, bien entendu. Je vais vous donner aussi les caractéristiques. Alors, ces pièces ont un poids de 5 grammes, un diamètre de 23 mm. Le métal, c'est de l'argent à 835 millièmes. Et la tranche de ces monnaies est cannelée, c'est-à-dire qu'elle comporte des stries très fines. Sur l'avers des pièces de 1 franc semeuse, on retrouve la République de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien, aux cheveux longs, marchant et semant à contrevent. En arrière-plan, sur la droite de la semeuse, on aperçoit un soleil levant. Au-dessous, en creux, on retrouve la signature au point rôti et de part et d'autre de la semeuse, on a les mots République française. Sur le revers, on retrouve la valeur 1 franc en deux lignes, au-dessus d'une branche d'olivier. Dessous cette branche d'olivier, on a le millésime, encadré des différents. Et tout autour, en arc de cercle, on retrouve la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Pour ce qui est des cotations de ces monnaies, vous retrouverez à la fin de la vidéo un tableau avec toutes les cotes des pièces de 1 franc semeuse en argent. N'hésitez pas à aller voir le tableau si vous voulez, même maintenant. On va commencer cette vidéo par la première pièce frappée, la pièce de 1 franc 1898, qui existe en deux modèles, un modèle flanc mat et un modèle classique. Donc j'ai, comme vous voyez, les deux modèles. Cette pièce a été frappée à 15 millions d'exemplaires. La deuxième pièce que je vous présente est la pièce de 1 franc 1899 qui a été frappée à Paris à 11 millions d'exemplaires. La troisième pièce, qui est une des plus rares, si ce n'est la plus rare des 1 franc semeuse, la pièce de 1 franc 1900 qui a été frappée à 99 097 exemplaires, ce qui est bien sûr très très peu au vu de l'époque. La pièce de 1 franc semeuse 1901 frappée à 6 millions et 200 000 exemplaires. La pièce de 1 franc 1902 frappée à 6 millions d'exemplaires. Une autre pièce très rare, la pièce de 1 franc 1903 frappée seulement à 472 883 exemplaires. La pièce de 1 franc 1904 qui a été frappée à 7 millions d'exemplaires. La pièce de 1 franc 1905 frappée à 6 millions et 3526 exemplaires. Une pièce aussi assez rare, la pièce de 1 franc 1906. Frappé à 1 908 100 exemplaires. La pièce de 1 franc
1907, frappé à 2 562 745 exemplaires. Comme vous voyez, la pièce de 1907 chez moi est très abîmée. Il va falloir que j'en trouve une de meilleure qualité. Je vais essayer de la trouver sur eBay, je pense. Vu que c'est pas une pièce extrêmement rare, je devrais trouver ça pas trop cher. La pièce de 1 franc 1908, frappée à 3 691 222 exemplaires. La pièce de 1 franc 1909, frappée à 10 923 790 exemplaires. La pièce de 1 franc 1910, frappée à 7 725 318 exemplaires. La pièce de 1 franc 1911, frappée à 5 542 000 exemplaires. La pièce de 1 franc 1912, frappée à 10 millions et 1000 exemplaires. La pièce de 1 franc 1913, frappée à 13 654 148 exemplaires. La pièce de 1 franc 1914, frappée à Paris, à 14 361 102 exemplaires. La pièce très rare de 1 franc 1914C, frappée à Castelsarrasin, à seulement 43 421 exemplaires. Ce qui en fait bien sûr une pièce très très rare. La pièce de 1 franc 1915, frappée à 47 955 158 exemplaires. À partir de 1915, comme vous le voyez, les quantités ont été multipliées par des dizaines et elles sont beaucoup moins rares, bien entendu. La pièce de 1 franc 1916, frappée à plus de 92 millions d'exemplaires. La pièce de 1 franc 1917, frappée à 57 153 034 exemplaires. La pièce de 1 franc 1918, frappée à 50 millions et 112 330 exemplaires. La pièce de 1 franc 1919, frappée à plus de 92 millions d'exemplaires. Et pour finir, la pièce de 1 franc 1920, frappée à 19 321 795 exemplaires. Aujourd'hui, nous avons fait le tour de ma collection des pièces de 1 franc semeuses en argent. Si ce style de vidéo où je montre mes acquisitions vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et de ce fait, je ferai d'autres vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.